Et plop les gens, de retour sur CR Billions. Pour changer du col étroit, on va faire la horde qui nous mène au lac gelé. Et peut-être qu'on fera le lac gelé avant de faire le reste au sud, on verra. Je sais même pas trop. Enfin, on verra. On verra. Il y a une horde de 3072 infectés au milieu de la route. Pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie, vous devez d'abord détruire la horde avec l'armée de l'Empire. Détruisez tous les infectés, restez à toutes les hordes d'infectés. L'avant-poste ne peut pas être détruit ou infecté. Nous avons donc des colons infectés. Cet infecté était un travailleur dans la colonie qui a été infecté par le passé. Des infectés frais, son corps a été infecté récemment, il est donc plutôt fort et rapide. Et redes infectés frais mais avec un autre skin, et redes colons infectés avec un autre skin. Femme, femme, homme, homme, j'ai l'impression que c'est ça. Bah commencer. Donc on en a ouais, à peu près 1500 qui sont rapides. Et 1500 qui sont normaux. Alors là, il y a des checkpoints. Contrairement à la mission d'avant, là, il y a pas mal de checkpoints. Ici, il faut peut-être avancer un peu. Mais au moins, on en voit, quoi. Genre là, il y a une case. Là, il y a une case. Parce que mettre 4 gars derrière un bloc, c'est bien plus efficace que de mettre des blocs tout là et de plus avoir de sous pour se payer des soldats. Et là, c'est un bloc super important. Ouais. Là, il y a peut-être... Ah, ici c'est tentant, mais ils vont arriver par là, donc ça va être là quoi. Mais ici, ici on en met un là. J'hésite d'ailleurs, peut-être même là. Comme ça, il y en a moins. Ceux sur cette case ne peuvent pas le taper. Ou alors on en met deux. Je pense qu'on va le mettre là en fait. Où est-ce qu'il y a des choses évidentes? Là, je sais pas si je fais là, là, ici, et un peu pareil. Ou tac, 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 beaucoup plus bas. C'est pas évident. Ici, pareil, je peux faire là ou là. Je pense que c'est un peu mieux plus haut. Parce qu'on peut toujours reculer. Là, ça sert quasiment à rien. Faudrait presque venir jusqu'ici. Hop. Là, c'est évident qu'il va falloir mettre des choses là. Mais en fait, ils vont venir là, puis là. Si on regarde. Moi, je mets une barrière là, une autre ici. Ah, mais celle ici, c'est compliqué parce que les soldats ils peuvent pas passer par-dessus la barrière, donc. Je pense qu'on en met une là. On va faire joli vu qu'on en met pas beaucoup. On va se permettre de les. De bien les mettre. Et si jamais il faut reculer, ben on pourra reculer. Et si on sait qu'on pourra se mettre par là et les voir défiler un à un. Parce que là, tout ça, c'est protégé. Ou alors, on a peur que ceux qui viennent de là n'aillent pas directement ici, mais passent par là. J'ai moyen... Je pense pas trop. Je pense que par contre il faut protéger ici. Si
ici, ici je peux défendre à 2 et 2. Hmm. Je pense ici ça suffira. On... Voilà, par contre ici c'est plus compliqué. Ici... Ici on pourrait mettre un là et un là. En vrai... Et si jamais il faut se réfugier, on peut reculer jusque là et on peut reculer. Ici... Ah non, ici ils peuvent venir... peuvent faire ça, donc se défendre là pour le nord c'est pas mal, mais après on est dans le coin donc c'est moins important. Ici m'a l'air beaucoup plus indiqué. Ici j'hésite parce que je vais payer 2, c'est le prix d'un soldat et il faudrait vraiment que les zombies veuillent faire ça, quoi, alors qu'on peut mettre un soldat de plus ici. Et je pense qu'ils viendront pas comme ça. Donc il reste ici. Hmm. Là pareil, il y a peu de chances qu'ils fassent ça, donc c'est plus ce côté-là, quoi. Potentiellement comme ça. En espérant qu'ils fassent pas le tour. Mais s'ils font pas le tour, en fait soit ils vont là, soit ils vont là. Donc non, si, si eux ils vont venir. Ici, on peut passer par là, on peut en remettre un là. Bah si j'en mets un là, ou je pense que défendre ici c'est un peu mieux quand même. Voilà, là. Là on a bloqué ici, là on bloque pas tout mais on bloque pas mal. Ici... Est-ce que là les ennemis vont arriver là? Tac, tac. Je pense qu'ils vont viser ici. Il y en a peut-être un ou deux qui vont vouloir faire ça. Je pense que même s'ils arrivent là, ils vont vouloir aller là. S'ils arrivent par là, bah forcément ils vont passer par là. Donc je pense qu'ici il n'y a même pas besoin de défendre. Je peux me tromper évidemment, mais... Mais là je pense que je mets rien et c'est très bien. Et du coup on peut mettre des soldats. Faut masse quand même. Ouais, voilà. Ici, vous êtes un peu loin des autres. Ouais. J'ai un peu peur qu'ils se fassent. Faudrait que les gars ils viennent par là précisément plutôt que par ici, quoi. Après si je défends ici, c'est un peu la même défense sauf que je peux plus facilement ramener les troupes.
peut échanger avec les troupes qui sont des deux côtés, quoi. Ouais. On va dire que ce sera un peu plus safe vu qu'on prend déjà un risque ici. Hop. Ici, voilà, vous en avez pas mal de monde maintenant. Ici aussi. non, ben c'est. Ça me paraît correct. Il y en a. C'est un peu réparti ici. Il y en a un gros paquet ici aussi. C'est ici que ça me paraît le plus frêle. Et peut-être là. Mais. Ça devrait aller. Et où c'est. D'ailleurs, c'était ici où j'avais dit que je pouvais en mettre deux. L'un devant l'autre. Plus ou moins pareil ici au final. Je vais en mettre deux de l'un devant l'autre ici, je pense. Et du coup, vu que ça améliore la défense, on va plutôt... plutôt mieux protéger ici parce que là, il y a un canal qui arrive et qui va tout remplir. Donc on a 96 soldats pour 3076 infectés, je crois. Et bah c'est parti. La bataille commencera et vous n'aurez plus la possibilité de placer de nouvelles défenses. Voulez-vous vraiment commencer la bataille immédiatement? Oui. D'ailleurs, vous, si possible, dans ce coin-là, par là. J'ai eu peur. Ouais. Hop, il y en a trop. Hop. Ouais. Là, faut que vous montiez un peu. Vous alliez un peu par là. Ouais, je pense que c'est bon. Ici, d'accord. Ouais, eux vont directement là-bas. Ici, c'est un peu beaucoup la misère. Et ici, au final aussi. Ici, ça a l'air d'aller. Toi, tu vas venir aider là. Ici, ça a l'air de bien bien défendre. Alors, vous allez venir par là où... Ici, la plupart vont de ce côté, donc même vous là, vous veniez défendre là. Même si ça devrait pas changer grand chose. Toi, tu viens là aussi. C'est marrant comment... Hop, toi tu viens là.
Toi, tu as... Du coup, j'aurais pu avoir un, deux soldats de plus, parce qu'au final, défendre ici, ça les fait venir tous. Et ici, comme prévu, ils viennent pas. Ok, vous, vous pouvez reculer là. Vous vous êtes très bien défendu, faut que vous veniez là à l'aide. Où est-ce qu'il meurt de partout? Toi, t'es déjà mort là. Voilà, ça me fait un peu peur d'avoir autant qui passe. Vous. Alors, vous, vous reculez, vous, c'est bon. Vous, vous reculez et vous. Vous aussi, vous essayez de reculer. C'est la mouise. Ça n'a pas fonctionné. Bon, vu que c'était rapide, on va réessayer rapidement. Du coup, j'avais de bonnes intuitions, même là, je pensais pas. Il faut vraiment économiser les barricades. Mais là, une seule peut suffire. Oh punaise, c'était comment déjà? Si seulement on avait des lance-grenades, des gens qui peuvent faire des bons gros dégâts de zone. Alors là par contre, je sais pas en fait si c'est... Là ça a bien cassé très vite, potentiellement parce que les zombies d'ici venaient, plus ceux d'ici. Non, ceux d'ici ils allaient bien là. Mais peut-être que défendre plus haut serait intéressant, je sais pas. Alors là, défendre ici et là, plus ou moins, même s'il n'y a pas de barrière, quoi. Plutôt que d'essayer de défendre là et d'avoir deux fois plus de zombies qui courent. Après, ça répartit un peu les troupes, mais je ne sais pas. On peut essayer d'en avoir un là, une là. Tac, ici. Comme ça. Mais le truc c'est que ici ils ont pas réussi quoi à défendre. Là, je peux faire ça et les faire revenir eux par ici.
Et si j'emmène du soutien, ça peut peut-être le faire. Alors ça, c'est à combien de PV? 300. Un soldat en a 120. Ici, on a dit qu'il y avait besoin de rien parce que tous les zombies venaient et faisaient le tour. Donc on va parier que ça reste le cas. Que là défendre à deux. Ça paraît pas beaucoup mieux. Ici. Ici peut-être que une défense comme ça. Serait un peu plus avancé, mais ça répartit, ça les répartit eux. Là, j'ai pas fait. Là, je me souviens même plus d'ici. Comme ça, je pense. Peut-être qu'avoir une ranger, ce qu'on met là pour essayer de faire des tours à la fin, c'est plus efficace que de prendre une barrière qu'on sait pas trop à quoi elle va nous servir. Donc ici, ça je pense que ça suffit. Là, je crois que ça suffit plus ou moins. Hein. On démarre, on met en pause. Est-ce que il spawn vachement loin des murs? Vu qu'il spawn par case. Alors que ce qu'on veut, c'est qu'il tire le plus vite possible. Eux aussi. Non, 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 tu restes là. Toi, t'avances. Toi, t'avances. Ici, ça a l'air bon. Ici, ça a l'air bon.
Hop, et vous. Ça a l'air bon. Tous bien collés à leur palissade. Où ça? Ici, donc, non, peut-être pas autant, au moins deux qui viennent là. Parce que là, ils restent très loin des murs. Alors. Ah, super. Bah, c'est un game over, il me semble. Parce que là, si je peux en prendre genre 3 là, 4 là, ça fait déjà beaucoup. Deux là. Deux là. J'en ai envoyé beaucoup trop. Ouais, même là. Là, il faut un soldat de plus, et bah toi, viens. Tu t'ennuies. Là, il n'y a pas assez de monde, faut que tu viennes de ce côté-là. Là, il n'y a pas assez de monde. Là, il n'y a plus assez de monde, alors qu'avant, ça passait pas du tout. Là, ça a l'air d'aller. Là, c'est en train de s'ouvrir, donc c'est la mouise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah super. Ici, ça commence à casser. Ici, il faut que vous reculiez, genre là. Elle est morte. Si vous pouvez reculer, genre ici. Là, j'ai l'impression qu'il y en a assez. Faut qu'on y aille là.
Understood. Orders, sir. Tell me. Orders, sir. All right. Tell me. Great idea, sir. Of course, my commander. All right. Any orders? Tell me. Commander? All the way. Great idea, sir. Et non! Ça ne passe pas, mais... compliqué les hordes, c'est pas mon style préféré. C'est pas grave, ça ne passe juste pas. Ben on va s'arrêter là, je pense. Envie de refaire une horde, donc on va s'arrêter là. Je pense que le col étroit, j'ai pas le temps de le relancer pour la même VOD en tout cas. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu et à bientôt.